For years, Diana was my sole handler at the agency. She supplied information and secrecy, and I sold perfection. We had trust. Then last August 10th, Diana brought the agency to its knees. She flushed all accounts, cut off all communication lines, exposed the agents, and used the confusion to vanish. Now the reformed agency has finally tracked her down and offered me the contract. One day, I will think of this as just another job. After all, this is what I do. Listen to me. I need you to be brave. A man will come and take you away. I cannot go with you. This is how it has to be. This man is different. He will protect you. Please don't judge him for what he might do. I'm sorry. Maybe someday you will understand. This is Benjamin Travis. The money has been wired to your account. Welcome to Chicago. I appreciate you taking this assignment, 47. It is never easy targeting our own, but Diana Burnwood's treason must be dealt with. Quitsend in one of the teams, but this is a job for a scalpel, not a hammer. Reasons are irrelevant. Exactly. Good luck, 47. Sir. Yeah, it's an ice cream truck. Yeah, I know. I'll get rid of him. Hey, get out of here. We don't want anything. What about your partner? What partner? Salut à toutes et à tous, bonjour. Voilà, la pluie d'introduction, plus de texte, plus d'acteurs, on s'en fout, l'autre va essayer de nous parler du tutoriel, on s'en fout, on connaît le jeu. J'espère que vous allez bien, je suis super excité pour ce let's play, je suis super excité de rejouer à ce jeu. Tais-toi la gueuse. Oui, nous sommes donc, vous l'avez vu, sur un contrat personnel pour 47, puisque nous allons aujourd'hui devoir tuer Diana Burnwood. Hein. Et Diana Burnwood, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la série, c'est tout simplement ce que 47 a de plus proche
en termes d'amis et de rapports humains, hein, parce que 47 est un personnage dénué de sentiments. Je vous expliquerai peut-être plus tard pourquoi les objectifs, oui, voilà. Hein, faut tuer un dernier merde, oui, oui, on sait. Bon, bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, je vais vous montrer le premier épisode et essayer de le faire le plus proprement possible, car je suis... je ne suis pas un bourrin, je suis quelqu'un qui aime faire les choses proprement et professionnellement. Et surtout, petite intro avant de commencer, ce jeu est mon témoignage. Je vais prouver aux gens sur YouTube, dès maintenant, que je peux être bon à un jeu vidéo. Certes, je vise très mal à l'arbalète. Certes, je rate les easter eggs. Certes, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je tue des gens sur leur première mission. Certes, je peux faire tout ça. Mais aujourd'hui... Vous regardez le premier épisode d'Hitman Absolution, un let's play que je vais faire avec le meilleur score, le meilleur rang plutôt, dans chaque mission, que ce soit en infiltration et en meurtre, et en vous montrant la plupart des techniques d'assassinat. J'ai passé 60 heures sur ce jeu, je vais m'entraîner à chaque épisode, vous allez voir que moi aussi, j'ai du talent. C'est parti ! Ceci est mon hommage. Donc on va d'abord commencer par s'immiscer ici. Prendre la hache. Et tu es le fils de pute! Non! Je rigole. Alors c'est parti, elle va me reparler? J'aurais jamais dû faire ça. Non, c'est bon, tout va bien. Donc c'est parti, oui, alors qu'est-ce qu'on a? Je joue en expert et non pas en. C'est quoi le mot? En puriste. Ce qui fait que vous avez l'ATH, donc vous voyez mes armes en bas, vous voyez mon niveau de cran, là le truc jaune, vous voyez ma barre de vie et la minimap. Tout simplement parce que le jeu est bien plus agréable comme ça. En puriste, il y a plus, ces infos sont plus à l'écran. Mais le jeu est tout aussi dur. Donc c'est tout simplement juste frustrant, on comprend pas pourquoi on a perdu, on comprend pas pourquoi on... Oui, bien sûr. Alors lui, on va le distraire. Excellent. En effet, on peut rentrer comme dans un moulin, cher ami. Passons tranquillement. Donc là, on doit d'abord rentrer dans la propriété de Diana. On voit qu'il y avait déjà beaucoup de monde sur place, beaucoup de gardes. Parce qu'elle a trahi l'agence. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'agence, c'est tout simplement là où on travaille. Donc une agence de tueurs à gages. 47 étant un tueur à gages. Hop. Mais non, personne va me notifier. C'est easy as fuck. Bon, je me suis entraîné, bien sûr. Hein. Donc il y a un peu de la triche. Chut. Non, je vais pas tuer cet homme. Nous sommes des professionnels. Voilà. Tout en douceur. Juste pour mon cœur. Là, je pourrais le choper et lui défoncer sa petite race, mais je ne vais pas le faire. Voilà, on nous apprend un peu les mécaniques d'un Hitman, c'est-à-dire que il faut généralement se cacher et écouter ce que disent les gens parce qu'ils peuvent donner des informations. On arrive la première fois qu'on joue, on arrive là, on ne sait pas de quoi ça parle. Et je vais vous montrer en quoi cette mécanique entre en vigueur dans cette mission, du moins. Il n'y a pas les sous-titres. Une seconde, hein. Je viens de me rendre compte, mais non. Putain, c'est où? Je vous ai pas mis les sous-titres, c'est sérieux. Comment puis-je être un caca à ce point? Ouais, on sait que la sortie est là. C'est bon. Bon, les textes n'apparaîtront pas tout le temps en sous-titres pour vous, donc je suis désolé. On les entend, mais on laisse. Il n'y a qu'une place pour les sous-titres, donc si c'est la meuf du tutoriel, évidemment, c'est chiant. Cachons-nous! Ah, le chef! On le verra plus tard. C'est là qu'on voit que les gardes sont des gens normaux, évidemment. C'est toujours les méchants et c'est les mecs, les mignons qu'on tue. Mais personne n'y réfléchit. Personne ne se dit, hey, ils ont une famille, ils ont une vie. Alors là, il y a un broyeur. C'est rigolo, on peut mettre un mec dedans, mais je vais pas le faire. Et là,
Swag. C'est y part. Alors oui, là elle va l'expliquer, mais je préfère le faire moi-même. En gros, maintenant j'ai le droit d'aller dans cette serre parce que je suis un jardinier. Cependant, les jardiniers se connaissent entre eux, donc lui, il ne me connaît pas. Donc on utilise l'instinct pour se cacher discrètement. Donc voilà, les gardes, eux, ils s'en foutent. Ils se disent, c'est normal, hein, un jardinier ici, c'est tout à fait normal. Cependant, oui, les jardiniers... Oh, pourquoi je suis slow? Ok, les jardiniers sont plus suspicieux. Ça sera pareil comme ça pour tout le temps. Dans le prochain Hitman, c'est différent, mais dans celui-là, tous les mecs qui partagent votre déguisement sont susceptibles de se rendre compte de la supercherie. Allez, get our Z. Voilà, comme ça, il n'y a plus de garde par la porte principale, j'ai le droit d'aller là. Enfin, le droit, non, mais je peux m'infiltrer. On voit que c'est une intrusion. Intrusion, ça veut dire que... Vous voyez en bas au niveau de la map. Ça veut dire qu'avec ce costume-là, je ne suis pas censé être là. C'est des petites infos comme ça qu'on n'a pas en puriste et qui sont juste vitales pour l'apprentissage du niveau. Donc c'est ce que dit la meuf du tutoriel ici, c'est que le Silent Assassin... Le Silent Assassin, c'est en gros aller dans le lieu, ne pas se faire repérer une seule fois, ne tuer personne à part la cible et repartir. C'est de cette manière qu'on a le meilleur score, et c'est ce qu'on va essayer de faire à chaque fois. Ok, évidemment là c'est tentant de le choper, évidemment pour qu'il meure d'autre chose que la cancer de la prostate qu'il n'a pas. Mais non, je viens de parler du Silent Assassin, donc non, rentrons simplement. Cachons-nous. Oui. Là, on va simplement attendre que lui s'en aille. Tranquillou. Ouais. C'est le dernier de ses soucis, la cigarette, là, pour l'instant. Hop, on rentre. Donc là, y a rien. Il va y avoir une preuve ici. Oui, elle est là. Les preuves, c'est des trucs qui servent à booster le score. Et c'est surtout un succès. Un succès quand on récupère toutes les preuves du jeu que je n'ai pas encore. Donc je l'aurai évidemment avec ce let's play. Maintenant, je suis le garde. Hop! Tel le Cluedo. Nous comprenons toutes les télés. Tel France Télévisions. Et nous avançons vers la zone suivante. Nous arrivons à rentrer dans la maison. Peux-tu me laisser parler? Merci. Donc voilà, nous sommes au rez-de-chaussée. À partir de maintenant, la vraie mission commence. Oups là. Vejun, top score. Ah là, il va y avoir un briefing. Écoutons. Oh, il y a un mobile de Calder là. Listen up. Miss Burnwood is in the upstairs shower and will be down shortly. Girls in her room and will remain so for the time being. For those of you who do not know the drill, I will personally appoint a close protection host for each client on a 6-hour shift cycle. You will not, I repeat not, j'aime bien parce que your VIP side for any reason during your shift. Any breach of procedure will... Les personnages sont hyper caricaturaux dans Hitman. Et quand on se balade dans cette mission, on voit que le chef de la sécurité est zélé de fou. Il est en mode, ouais, faut juste que j'aille aux toilettes, surveillez-moi pendant mon absence et tout. Enfin, il est très, presque trop professionnel. Donc là, on va dans la salle de bain chercher les somnifères. Pourquoi faire? Oh, salut, toi aussi, tu veux y aller? Tu pourrais frapper avant quand même. Allez, on y va. Donc, nous avons les somnifères. On voit que la salle principale est remplie de gardes, donc on pourrait y aller tranquillou, mais on ne va pas faire ça. On va plutôt
se diriger vers la cuisine. Et écoutez ce que le chef dit à ce garde. Is it salt? No. What do you take me for? Salt, please. I am please. Chef in this culinary. Le chef français. You put liquid butter on your popcorn, and you have the nerve to make assumptions about my award-winning recipes. Salt. Shame on you, sir. Shame. Now go on. Get out of here. All right, relax. Was only asking. Christ, don't have a heart attack. Out, I say. Go guard a gate or shoot at some beer cans. Ah. Sacre bleu. Donc, on va laisser le chef s'avancer maintenant, passer dans son dos et droguer sa bouffe. Il n'a plus qu'à attendre. Pendant ce temps, écoutons ce qu'ils disent. Eh oui, tout le monde est amoureux de la rouquine, bien sûr. Sauf que tu parles de ma plus proche amie. Voilà, et là, information, il faut la carte du chef de la sécurité pour monter. Chef de la sécurité qui est donc l'homme au costard noir. Donc il faut choper ce gars-là. Oh! Ah, il a mangé le truc qu'on l'a pas vu. Il a goûté du moins. Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Quel est ce goût si merveilleux? Pourquoi? C'est que cette douleur d'estomac. Tout va bien. J'adore. Voilà, il s'endort de manière plutôt violente. Dépêchons-nous de cacher son corps. Il n'est pas mort, hein, je l'ai juste endormi. Et cachons-le, histoire de reset notre score à zéro. Voilà. Et nous allons surtout devenir le chef. Salut. Et voilà, donc là, elle le dit, elle nous aide. Normalement, dans l'émission, on doit l'apprendre nous-mêmes. Mais en tant que chef, nous avons le droit d'être absolument partout au rez-de-chaussée. Donc voilà, là, je peux passer tranquillou. Salut. Et donc là, on peut avoir plein d'informations. Ah oui, le coup des documents, je vais vous laisser écouter ça, puis après on va chercher la preuve. Mercus Letifer. Oui, ils savent pas qu'ils travaillent pour... Eh oui, ils ne savent pas qu'ils travaillent pour quelqu'un de l'agence. L'agence qui reste un truc assez discret. Les preuves, on efface les preuves et on se fait masse... pognon, masse pesos. Bon là on est en chef, mais le délire ça va être... on va discrètement droguer le café parce que c'est quelqu'un à fond sur le café, le chef de la sécurité. Bon là on est tranquille, on peut rester en chef. Tout va bien, viens. Viens te reposer, viens. Over. Viens, oui. Bon, on va faire pas trop. Genre, je retourne travailler. Ah oui, le mec avec le piano, on peut le tuer aussi, mais... Je ne vais pas le faire. C'est du plus pour les gens qui veulent du sang. Stay sharp, man. I've urgent business with gate security. Ouais, c'est ça la porte, ouais. Je vais juste remettre mon déguisement. Hop. Salut, chef. Là aussi, c'est marrant l'animation, mais c'est bon. Just for a moment. No one's gonna know.
Il était même pas sans siège. Normalement, moi, il s'affale sans le siège, vous voyez, mais même pas là. Bon, il faut le cacher, évidemment. Mais j'utilise pas d'armes, moi. Je suis un professionnel. Allez, au dodo, mon gros. Voilà. Parfait. On va prendre la corde à piano, même si on n'aura pas besoin. Et donc là, vous avez vu, j'ai ramassé la preuve en tant que cuistot, mais il y a une autre manière de le faire, je vais vous le montrer dès maintenant. Parce que c'est sur mon chemin. J'ai pris la carte du chef de la sécurité, ou moi? Oui. Est-ce qu'il est là? Non. On fait ça. On ouvre les stores vers la magnifique vue. Et du coup, tous les gardes vont admirer, évidemment, et se tourner... Voilà, et se tourner dans ce sens-là. Du coup, on peut passer, même en garde, derrière. Et du coup, voilà, rang modifié, je suis devenu ombre. C'est le meilleur score qu'on peut avoir pour cette mission, je crois. Oui, il n'y a pas le Silent Assassin n'est pas disponible dans toutes les missions. C'est un peu la différence avec les autres Hitman. Donc, dans ces cas-là, il y a quoi, 5 missions où on peut avoir Silent Assassin. Thierry de Perle. Bon, là, on va rentrer bien sûr dans le vif du sujet, hein. Ce qui va lancer tous les événements à suivre. La rouquine sous la douche, putain, go! Et on s'est changé miraculeusement. Report 47. I should kill you. Why did you do this? 47. Captain, what's wrong with this thing? We all have our limits, even you, 47. We used to have honor. Diana. No. I had to take her away from the doctors. I knew you would understand. Fuck. Something's not right. You won't last long. There's no time. You still have a chance. In my robe. A letter. Now go. The girl will run before Travis finds out. Please, do not let her die. Beaucoup d'informations importantes, je vais vous expliquer ça après. Le canard, évidemment, marque de fabrique des Hitman. Donc voilà, scène très importante, et là où le jeu prend un tournant que j'appellerais Skyfall. C'est-à-dire que là, dans Absolution, on trahit l'agence, tout ce qui fait la série, on le trahit techniquement, puisque Diana meurt. Je vais spoiler Skyfall, attention, bouchez-vous les oreilles, mais dans Skyfall, c'est pareil, le M6 se fait détruire, M meurt, y a un nouveau truc qui se forme, Q n'est plus le vieux, mais c'est un jeune geek. Absolution est un peu le Skyfall d'Hitman, et Skyfall était un excellent James Bond, et Absolution est un excellent Hitman. Mais là, en fait, c'est ce qu'elle dit, on respecte un peu notre code d'honneur, même si nous sommes un être dénué de sentiments, j'y reviendrai très vite. On vient de tuer ce qu'on avait de plus proche d'amis, et pour honorer les longues années de travail qu'on a eues en tant que collègue et en tant que Camille, eh bien on va accéder à la requête de Diana et donc trahir l'agence à notre tour, en sauvant Victoria. Victoria qui a un lien avec 47, les fameux docteurs... Comme elle dit, je savais que vous comprendriez.
Alors, comment on fait déjà? Ouais, pardon, faut aller là. Voilà, donc ça, c'est le truc. En mode, ouais, je tue tout le monde, je suis trop fort. Lui, on va le focus de ouf parce que je l'aime pas. Et une dans le cul, voilà. Bon, on a rien vu de la scène, c'était censuré. Incroyable. Bon, là on les tue parce qu'on est énervé, mais ça ne rentre pas dans le score. On est obligé de faire cette scène, on ne peut pas les laisser survivre. On crochette, et c'est la fin de la mission. Sauvons Victoria! La grille. You know who I am. I know. She's dead, isn't she? Come on, stay close to me. Where are we going? Pose pas de questions. Je suis ta figure paternelle maintenant. Get in. It's done. Ah, on est un peu énervé, hein. Toi, ta gueule, le moustachu. L'agence avait des principes avant que tu aies pris sa direction. Un salaud. Je nous mets dans la merde et je crée une série de 30 épisodes. Diana did this for you. Why? Please, she was my only friend. She took me away from the doctors. Tell me about the doctors. It's really blurry. Like, really bad dream. Why? We need to go. Sir, there's nobody here. I think the asset has gone AWOL. Ouais. Et donc voilà, Ombre. Oui. Nous avons fait le meilleur score. Donc oui, je vais y revenir avant de finir cet épisode, mais en gros, ce qu'on a vu, l'histoire des docteurs, ça fait référence aux origines. Aux origines de 47, parce que 47 n'est pas un être humain normal, il a été créé, on l'apprend dans le premier jeu, le tout premier Hitman, c'est un clone créé pour tuer, une machine à tuer, né pour ça, fabriqué avec l'ADN de 5 personnes, qui sont nos 5 premières cibles dans le premier jeu d'ailleurs, qui sont toutes liées parce qu'elles voulaient quitter le projet ou je ne sais plus quoi. Donc on est un mec qui a été créé entre guillemets génétiquement, et 47 vient d'ailleurs de ce truc là, c'est qu'il était le 47e clone, le parfait, parce qu'à la fin de la dernière mission du premier Hitman, on tue tous les clones un peu ratés, qui servent d'homme de main au dernier père. Et donc voilà, au final, cette Victoria était partie pour prendre le même chemin, c'est pas trop expliqué comment, mais ils ont pris une enfant, et ils l'ont modifié génétiquement pour en faire une assassin, hein, c'était l'agence qui préparait ce programme. Et c'est ce que voulait Diana, la sauver, parce qu'elle ne méritait pas ça, et ça se fait pas, tout simplement, parce que 47 est déjà un exemple suffisant de ce que c'est un humain sans sentiments. Et donc ouais, du coup on s'engage dans cette petite quête pour la sauver, pour ne pas qu'elle devienne comme nous, et pour faire notre absolution, notre pardon auprès de notre contact rookie. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, là c'est un premier épisode plus ou moins normal, on va rentrer dans le vif du sujet... Et les possibilités d'émission dans le prochain, là c'était un peu un épisode mise en bouche une fois de plus, double mise en bouche décidément. Et donc ouais, on se retrouve dans le prochain épisode, d'ici là portez-vous bien, des bisous, et à la prochaine. Bonsoir.